C'est quoi ce petit jeu? Bah écoute, je suis en train de découvrir. Alors, au niveau de l'histoire, il y a nos parents qui sont décédés. Et nous, on n'arrive plus à payer le loyer. Donc, on nous a virés de notre maison. Donc, on est SDF. Et on a atterri au niveau d'une usine. Et sachant que l'usine, c'est là où les parents bossaient. Du coup, quand on est arrivé, il y a pas mal de gens qui sont là. Eux aussi. C'est des SDF. Et là, ce qu'on veut faire, c'est arranger l'endroit et ainsi de suite. Voilà, construire des trucs histoire d'avoir plus de. Comment dire? Confort. Donc, faire un bon petit chez nous, quoi. Tu vois. Donc, faire de l'agriculture, construire des trucs, fabriquer des trucs qu'on pourra vendre aussi pour gagner de l'argent. Donc, tu as une vie en communauté. Et là, je vois qu'il y a de la bouffe. Donc, ça veut dire que il va falloir prendre soin aussi de la commune. Ainsi de suite. Par exemple, lui, tu vois, il est énervé. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, ici, je vois emploi et abri. Donc, son abri est là. Ça, c'est sa tente. Froid et peu confortable. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un lit ici. J'aimerais bien lui mettre le lit. Sauf que, c'est pas possible. Moi aussi, j'ai ma tante qui est ici. Et de ce que je vois aussi, emploi. Mo est un agriculteur invétéré. Il semble avoir un véritable lien avec la terre et adore regarder pousser tout et n'importe quoi. Toutefois, une tristesse inexprimée semble peser sur son cœur. Alors lui, tu vois. Ah, ok, je peux lui mettre une tâche. Clear Farm Produce. Ok, fais de la recherche, toi. Fais de la recherche. Ok, il n'a pas de taf, mais je trouve que là, maintenant, il a un taf, il est content. Voilà, tu veux bosser, tu vas bosser, fais de la recherche. Hein. Il est dans le Game Pass, bien sûr, s'il faut. Bien sûr, il est dans le Game Pass. Augmentation, quoi? C'est quoi cette augmentation de monsieur Monty? Ajouter une tâche. Clear, farm, produce, clear. On va dire clear. On a mal créé l'emploi, tu vois. Hein? Voilà, on crée l'emploi. Ah, on crée l'emploi. Et où est parti tout mon truc? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, ok, j'ai compris. Compris. Maintenant, tu vois, au niveau de la recherche, mais on me dit technologie pour les nuls. Il faut que je fabrique un truc là. C'est quoi ça? Une table? Ok, je vois. En fait, je dois fabriquer le truc pour pouvoir débloquer cette technologie. C'est une table avec. Une sorte de table avec quelque chose, je sais pas ce que c'est.
Dans tous les cas, ça c'est bloqué, donc je peux pas faire. Une sorte de table. Est-ce que je peux lui donner ça? Parce que de ce que j'ai compris, il a. On me dit qu'il a faim. Ah, peut-être que je dois le mettre ici dans le coffre. Attends, on va voir. Si je mets ça ici. Si je mets ça là. Je leur mets des patates là. Elles sont où les boîtes de conserve là? Ah, elles sont là. Caisse robotique, étau, lit. Ok. Dans tous les cas, le lit, ça, je peux en avoir. Imaginons, je leur mets ça. Normalement, tout ce qui est quand c'est dedans, c'est que tu peux t'en servir. Ah, des livres qui appartiennent à la collection de pouvoir, ils abordent un vaste éventail de recherches de sujets. Tu pourras sans doute y découvrir diverses techniques. Je vais pas leur mettre de la thune. Hein. Bah non. C'est fou, c'est un quoi? C'est un backliner. Il est dans les jeux récents, oui. Il a été ajouté récemment. Non, c'est le dernier jeu qui est ajouté. Alors, fusible, dispositif de sécurité électrique servant à prévenir les surtensions d'un circuit électrique. Bah, moi, je vais leur mettre ça. Est-ce que je peux diviser? Non, le bois là, je vais le garder. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Alors, est-ce qu'il a quelque chose dans sa boutique qui m'intéresse? Installe une raboteuse pour construire les panneaux. Ben ouais, justement, j'ai besoin de panneaux, mais comment on construit ça, raboteuse? C'est ça le problème, je sais pas comment installer ça, je ne vois même pas, j'ai même pas de plan pour fabriquer ça. Si je construis des trucs. Ok, attends, on va la faire genre à la Minecraft, quoi. Peut-être que tout ramasser, ça va me permettre de, je sais pas, de débloquer le plan. Non, rien. L'ingrédient de base pour faire du béton, bah c'est du ciment, gravier, petit caillou qui sert à faire du béton. Là, tu vois, je suis vraiment bloqué. Je ne sais pas quoi faire.
200 vis. Je pense que tout ce... Attends, on va voir dehors s'il y a un truc. Il n'y a rien ici. Bah ouais, en fait, je pense que le moteur là, si on le fait, si on fabrique ça, bah du coup, ils pourront l'utiliser pour la voiture et donc lui, il pourra utiliser pour apporter plus de choses. Allez, vas-y, vas-y dans le contenu. Mais non, mais va là-bas. Oh. C'est parti, si je peux t'aider, n'hésite pas. Mais bien sûr, je t'ai dit de te bosser. Nécessite quoi? Article. Article nécessaire. Il faut que je prenne mes livres. Et c'est quoi les articles? J'en ai marre. Je suis bloqué. Attends, il y a un truc que j'ai oublié. Je vais voir. En même temps, je ne peux pas parce qu'il va me manquer encore une pièce. Donc il faut un moteur. Oh mon Dieu! Et elle est passée où l'autre pied? Là, on me dit de prendre une hache. Et je n'ai pas de hache.
Alors, si je mets... Attends. Non, je vais laisser ça dans mon inventaire. Comme ça, je vais le mettre ça dans le coffre. Maintenant, toi, je te veux et toi aussi. Ok. Maintenant ça là. Ça part direct. Ouais, obligé, il me faut un moteur. Qu'il va faire. Oh. Qu'est-ce que j'ai raté, purée? Je suis bloqué. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas comment faire ces choses-là. Je peux pas fabriquer de moteur. Pourtant, j'ai toutes les pièces. Mais il me faut la technologie pour les nuls. Et pour ça... Il faut que j'ai ce truc-là, les bases électroniques. Ok, une base électronique. Je sais que ça, c'est un verre, ça veut dire que je l'ai découvert, mais il y a un truc à fabriquer là. C'est quoi ça? Et on peut pas zoomer. Ça, c'est pour la cuisine. Tu vois, ça, c'est raboteuse. Je l'ai pas. Il y a plein de choses ici. Ah, ok. Ah, il y a une
On sent toi, il y a sûrement un truc que t'as raté. Ah, ça c'est sûr que t'as raté un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux faire cette table? Pas assez de matériaux. Qu'est-ce qu'il me faut pour la fabriquer? Enfin! Oh my god! Ah, X pour accélérer. C'est bon? Oh my god! Attends, il faut que je mette mon truc là à jour. Eh non, 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 tu vas pas dormir, c'est bon, allez hop. Non, aucune recherche. What? Yes. Nice. Okay. Now. Yes, I. Build. 1, 2, 3. Yes, I. Et on les met. Là. Sont où les moteurs? Hein? What? Ah. Moteur. Hey, moteur. Done. Beau travail sur ces moteurs, ton père t'a bien appris. Tu pourrais encore m'améliorer. Ça fera l'affaire pour l'instant. Tu devrais essayer de vendre des choses
et d'acheter à manger car la nourriture est rare ici. Si les gens ont faim, ils ne sont pas contents et s'en vont. Mais revenons à notre mission d'origine. Et si on tâchait de réparer cette grande rue? Ça m'a l'air un peu trop ambitieux. Je ne sais pas si j'en suis capable. Pas la peine de la réparer complètement. Je crois que le problème vient du panneau de commande. Une histoire de branchement. C'est dans mes cordes. J'ai toujours été doué pour les branchements. Mon père n'avait pas la patience, alors il me laissait toujours m'en occuper. Ça a l'air dangereux. T'inquiète, je mets toujours l'accent sur la sécurité, je m'en charge. Bon, très bien, si on arrive à réparer cette grue, on devrait être en mesure de réparer de gros objets, ça nous aidera beaucoup. Imagine ce qu'on pourrait faire de cet endroit. Eh ben, on va le découvrir. Alors, là-bas, ce qu'il nous faut. Il est déjà 18h. En même temps, c'est la recherche. Tac, 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 et un moteur, un truc, 1000 pattes et deux verres. Alors, un moteur. Non! Non! Mais non, le fil de cuivre. Ah! Et toi, viens ici. Yes. Yes. Ok, un moteur. Hein? 1000 pattes. Deux verres. Ils sont où les verres là? Et? Mais ils sont passés où? Oui, les plantes, j'ai vu, vous n'avez pas assez d'eau. Patientez un instant. Yes. Oh non, on doit dormir. T'as réussi. T'avais bien dit que je me connaissais en branchement. Alors, tu apportes une bonne énergie à cet endroit. Ne sois pas timide, c'est vrai. Cet endroit est lassé, en friche depuis des années. Comme je le disais, mes parents travaillaient ici. J'espérais pouvoir inspecter les alentours pour voir si je ne trouverais, quoi, si je ne trouvais pas les choses qu'ils auraient laissées. J'ai des tas de souvenirs de cet endroit. Bon, tu vas devoir trouver un moyen de traverser ce fossé. On a exploré la zone et pas moyen de le contourner. Apparemment, cette usine est gigantesque. Il doit bien y avoir tout un tas de trucs utiles de l'autre côté. On pourrait peut-être construire un pont. La grue nous aidera à le placer de l'autre côté du fossé. Un pont, ça pourrait faire l'affaire, mais tu vas avoir besoin d'énormément de bois. Compte sur moi, je vais t'aider à construire le pont et à explorer l'usine. C'est bon, on arrête qui fait partie maintenant de la communauté. Il n'y a pas d'eau. Ah, parce que j'ai sommeil.
Maintenant, on est trois. Revenu 840 dollars. Ok. Oh my God. Levier. Bon, pour le moment, ce n'est pas la priorité. Rechercher. Ah, il faudrait que j'ajoute un truc pour la recherche. Foutue raboteuse. Ben, ils sont où les plans? Ah, on me dit qu'ils ont faim. Je sais pas comment, comment gérer ça. Même là, je n'ai pas ce qu'il faut. Fabrication. Œil de lynx. S'il y a une recherche qui prend 2 heures de temps, on va la faire. Vite fait, celle-ci, c'est 5 heures. Trente heures. What the fuck? Mais 30 heures, comment ça sera possible ça? Je veux aussi leur donner à bouffer, mais je sais pas comment faire.
Est-ce que c'est pas ici pour la bouffe? Je vois foutre quelque chose. Je pense que c'est... Écoute, c'est là. Ça doit être là. Et... C'est bien... Apprends. Apprends. Est-ce que c'est là que je dois leur mettre la bouffe? Alors, lui recherche... Je ne peux pas. Dix heures, 6 heures fabrication. Ça prend du temps. Obligé, il faut dormir, il faut apprendre. C'est ça qui va permettre de débloquer les trucs. On est maintenant jour 16. Ah, mot est motivé. Quoi? Un mot est à froid. Ça veut dire quoi, et à froid? Ok. Établi. Oh yes. Ok. Workshop, workbench. Yes. Build. Yes, I. Nice. Raboteuse, c'est bon. Plaque métallique. Oh my god, 50, wow, 20 fils électriques, 20 engrenages.
Pile électrique. Engrenage. Plaque métallique. Ok. Engrenage, c'est bien ça. Hein. Non. Oui. Oh my god. Yes. Ouh. Ok. Oh wow. Oh wow. Non, I'm going to place it here. Yo, salut. Attends, ça veut dire que quand je me réveille, tu seras encore là. Bah ouais, c'est ce que ça veut dire. Comment tu vas, Layana? Après, ça dépend de quand tu vas te réveiller. Yes, done. Oh, waouh, voilà. C'est bon. Ou rajouter. Yes. C'est bon, maintenant on peut faire les putains de panneaux de merde là. Waouh, tout ce que ça prend. Allez, 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 boss, 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 boss. Merci, 300. Ok. Avec ça. Attends, j'avais besoin de ça pour fabriquer quoi au fait? Ah oui, la table. Ok. Oh non.
Oulou. Qu'est-ce que je peux en faire? Ah, c'est pour vendre! Le code, c'est bien ça. C'est bien moi. J'ai discuté avec H de la construction d'un pont pour traverser le fossé. Elle m'a dit que tu pourrais peut-être nous aider. Ah oui, ça fait un moment que je me dis la même chose. Malheureusement, nous aurions besoin d'une raboteuse. T'inquiète pas, il y a la raboteuse. Pour préparer donc plusieurs panneaux. On en a déjà une, je l'ai construite moi-même. Eh ben, voilà qui est très pratique. Bon, j'ai commencé à réfléchir à la construction d'un pont. J'ai déjà calculé la taille qu'il devrait faire pour traverser le fossé en faisant plus au court, mais il va falloir le construire en plusieurs tronçons. Tu vois, tu vas avoir besoin d'un certain nombre de matériaux pour chaque tronçon. Ce ne sera pas une mince affaire. Compris? Voici les plans dont tu auras besoin pour construire un tronçon du pont. Tu vas avoir besoin d'une base et de deux sections de garde-corps. Oh my god. Une fois que tu les auras, tu pourras te servir de ce plan pour construire un tronçon du pont. Reviens me voir une fois que tu l'auras fini et que tu auras fini de construire un tronçon, pont et son garde-corps. Cette machine m'a donné du fil à retordre et j'ai dû lire plusieurs livres pour la mettre au point. Impressionnant. Tu comptes t'en servir pourquoi? Eh ben, avec cette machine, on peut fabriquer des panneaux de bois. Et avec les panneaux, on peut faire des planchers, des cloisons et autres. Je vois, on pourra sans doute aussi s'en servir pour construire un pont. Un pont pour traverser le fossé. Possible. Parle-en à Alcott, il pourra sûrement t'aider. Pour l'heure, est-ce que tu penses pouvoir fabriquer quelques plaques de plancher? Ça me permettrait d'éviter l'humidité. Commençons par quatre plaques de plancher. Je peux essayer. Ça t'ennuie si je me sers de la raboteuse pour mon idée de pont? Bien sûr que non, c'est quand même toi qui as construit. Bah oui, c'est moi qui ai construit la raboteuse. Oh, je vais pas lui demander. Bon, toi là, Alcott. Attends, on va te vendre ça là. Je te vends la table. Elle vaut 139 dollars. Allez, vas-y, compte. Du coup, on a 1000 dollars. Est-ce que lui, il a des trucs qui nous intéressent? Je pense pas. Oh, merci. Du coup, les missions. Il faut qu'on traverse le fossé. Ok? Quand on va traverser le fossé, après je vais arrêter. Donc, je vais passer à un autre jeu. Comme ça sera pour une autre fois. La suite. Construit une section de pont. Donc construit une section de pont avec une rambarde en utilisant les plans donnés. Ok. Et construit des plaques de plancher. H t'a demandé de construire quatre plaques. Bon, on va faire ce que H veut d'abord parce que ça c'est simple. Enfin, je pense. Salut Paquito. Bon courage pour le live 24 heures, toi, surtout avec cette chaleur. Merci. Après, bon, moi je suis dans le nord. Déjà là, il commence à faire un peu frais. C'est bien. Et avec le ventilateur, c'est surtout pour le PC. Mais vu qu'il y a du vent frais qui rentre et puis il y a le vent, bah, la chaleur qui sort, donc il y a pas de souci normalement. Ok, donc 4 planchers. En utilisant les plans. Donc normalement, elle nous a donné les plans. Plancher, 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 plaque de plancher. Donc c'est ça. Alors, how can I? Comment est-ce que? Oula!
Il nous en faut. Oh non, I have to sleep. Like, juste au moment où j'ai fini un. Il nous en faut 4. Donc on va faire ça. On va lui donner ses planchers. Après, il va falloir construire les autres garde-corps ou je sais pas quoi là pour le pont. On va le mettre en place. Et une fois que c'est fait, il est motivé. Attends, normalement, il pioche ici, non, dans la bouffe. Hein, moi. Je leur laisse la bouffe là. Water. Ok. Revenons à nos moutons. Plancher. Et donc c'est plus facile à faire à la souris qu'à la manette. Et maintenant on met ça. Ok. Done. Hein? Matériaux insuffisants. Qu'est-ce qu'il me faut? What the... Bah, il est passé où le plan? Ah, il me faut des panneaux. Panneau de 25 mm, mais j'en ai plus, c'est pas possible, j'en ai fait plein. Ah, mais ça bouffe 87. Oh, courant faible. Il va falloir que je mette du carburant. Il y a combien là? 4 non? Il y a 3. Thank you.
mais c'est pas or. En fait, ok, je vois. Ah, c'est c'est maintenant que ça a été comptabilisé. Donc ça, c'est le plancher de trop, quoi. Elles servent à quoi ces plateformes? C'est pas ton problème. Ce sont les bases d'un meilleur lieu de vie pour nous tous. Les expulsions sont légion là dehors et les gens finissent par se retrouver ici. Donc il nous faut des abris. Exactement. Mais reste à savoir comment nous y prendre. Voilà des plaques de plancher et de plosion sur lesquelles on a travaillé. Tu trouveras peut-être un moyen de les assembler. Et voilà le plan qu'on a utilisé. Tu as déjà construit une maison? Une cabane, ça compte, si on veut, et si on commençait par un prototype, un modèle de base. On n'a qu'à faire une seule pièce et à viser ensuite. Ok, je vais m'y atteler, voilà. Par contre, le chantier risque d'être plus ambitieux que d'habitude. Mais si tu diriges les opérations, je serai ravi de t'aider. Cet endroit a besoin de ton énergie. On a donc une nouvelle personne. Moi aussi dans le nord, près de Valenciennes. Je vais souvent près de chez toi, à Lille, plus précisément. Ah ouais? Tu viens faire du shopping? Bien, tu as de la famille ici. Par contre, le chantier risque d'être plus ambitieux. Et ça, c'est bon, j'ai vu. Ah, ok. Donc, on a la meuf qui est avec nous, maintenant. Il y a Potatoes. Hé, dégage-la. Bon. Maintenant, construis une section de pont. Construis une section de pont avec... ok. D'abord, on remet ça, la table aussi. Section de pont avec rambarde. Ok. Ça... Ok, là, il nous faut... Ah, alimentation.
Merci beaucoup encore. Mon beau-fils fait des études de médecine. Ah, oh, ok. Oh, GG à lui et bon courage. Pas facile, hein. Pas facile la médecine. Faire 500, voilà. What again? Qu'est-ce qu'il y a? Why? 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 Pourquoi je peux pas le faire? Pourquoi? Mais je les ai, les carreaux, je les ai, ils sont là, les trucs. Cent fois 200. Oh. Comme là, je peux pas, donc il faut du bois lourd, technologie, donc technologie bois lourd. Et ça se trouve où ça? Bois lourd. Thank you.
Bah du coup, je pense prochainement il me faudra ça là. Ça fait 10 heures. Heures. Oh my God. Ah, et si j'en mettais deux? Ok, je sais ce que je vais faire. Pense normalement en avoir plus. Oh, voilà. Bon, toi, je peux pas te fabriquer pour le moment. Toi, tu viens ici. On va réduire le temps de celui-là. Voilà. Ça c'est fait. Là, c'est que de la recherche, pas le choix. Parce que sans ça, je ne pourrais pas débloquer la technologie pour fabriquer le comment dire la planche là de 100 fois 200.
Hunter. Hunter, le truc. 30 heures, œil de lynx. Ouf. Allez, 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 dormez, 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 réveillez-vous, on va bosser. Il faut qu'on fabrique ce pont-là. Ok, ça c'est fait. Ok, apprends à développer des machines complexes. Fabrication machine 2, donc c'est au niveau de raboteuse. L'âtre. Ok, donc ça c'est bon. On n'a pas de tuyau. Alors, il me faut un itou et panneau brut. Alors, itou, outils de métallurgie, panneau brut. Hey, what the fuck?
Maintenant, il me faut pas un homme brut, hein, c'est ça. Pas un homme brut, mais j'en ai pas. Attends, ça j'en ai. Ah, ok, ils sont là. C'est bon. Yes. Mais non. Welcome back, Kefren. À quoi? Qu'est-ce qui va me permettre de fabriquer des tuyaux en acier? Ah, sûrement celui-là. Mais il m'en faudra. Non. Grâce à des mouvements rotatifs autour de son axe, cette machine effectue diverses opérations telles que le découpage ou le perforage. Oh mon Dieu! C'est quoi ça encore, les forêts? Un moteur électrique. Are you fucking kidding me? Like, un tuyau en acier. Ah, ok, c'est ça. Il me faut des barres métalliques. J'en ai marre. Oh my god, this game, non mais c'est trop, c'est trop. Le jeu, t'en penses quoi du coup? Celui-là, non mais c'est un très bon jeu. Bon jeu, vraiment, il faut avoir la patience. Hein. Ok. I need money. Il me faut de la thune. Attends. Soit je fais des chaises. Lui là, il faut qu'il aille bosser là sur. Voilà, vas-y, bosse sur ça. C'est bon, il bosse. Revenant. Les tables, ça bouffe plus de ressources et c'est trop cher.
que le truc se vend à 300$. Ce qui fait que... Ouais, il faut que je vende ma chaise. Je dois lui acheter des trucs. C'est que tu peux pas le faire automatiquement. En même temps, regardez là où on veut partir. Regardez là-bas, là, cet endroit. Il y a des animaux, il y a des cerfs, il y a des trucs. J'aimerais bien ça. Bah oui. Au niveau de la cuisine, je vois qu'il y a des bonnes cuisses là. Ça veut dire que tu prends du gigot et tout. Tu vas faire la chasse, sûrement. Donc pour qu'on te donne accès à cet endroit-là, tu vas devoir souffrir. Et sachant qu'il y a des gens encore de l'autre côté. Alors, on va voir combien ça va nous rapporter ça. Monsieur. Alors, on vante les chaises. 420$. Donc ça fait 800, environ 900$. Alors, il me faudra... Attends. On va faire n'importe quoi. C'est ici que ça se passe. Donc, du fil électrique, des moteurs. Des plaques métalliques, outils de métallurgie, ça je l'ai acheté, un tuyau en acier, ça je l'ai pas, donc on va commencer par le truc le plus simple, où on va pas me demander du tuyau en acier, je pense qu'il me faudra ça pour fabriquer le tuyau en acier, ça raboteuse, je l'ai déjà fabriqué, métal ondulé, non. Ok. Établi générique. Il me faut 5 fils électriques et 10 plaques métalliques en plus. Engrenage, panneau brut. 5 fils électriques, 10 plaques métalliques. Fil électrique, plaque métallique. Fil électrique, plaque métallique. Alors, 5 fils électriques. Pour fabriquer masse. Salut Olivier, comment tu vas? Olivier ou bah j'espère que j'ai pas écorché ton nom. Plaque métallique. Est-ce qu'on a de l'électricité? Normalement, c'est bon, j'ai assez de carburant pour... Ça va, tranquille. Cool. Bah, il faudra que je change le nom du vieux, en fait. J'étais parti sur un truc de test et voilà, je suis pris dedans dans l'histoire. À la base, je voulais juste jouer 10 minutes, hein, 10-15 minutes et puis passer à autre chose. Et voilà, ça fait peut-être 2 heures ou 3 heures maintenant que je suis là-dessus. Ok, là c'est bon. Hein ? Tout rajouter. Mais non, mais j'ai les fils et... Oh, ah non, attends, c'est pas lui.
Si c'est lui. Ils sont passés où les engrenages? J'en ai les engrenages. Ah, voilà, c'est en fait. Ok, panneau brut. Panneau brut, c'est par là. Et ils sont passés où? Non, les panneaux bruts. Oh. Non. Ils sont passés où, mes panneaux bruts? Ça, c'est pas possible. Mais j'en ai des panneaux bruts, ils sont passés où? Je suis venu sur ton live après la vidéo HTML 2.1. Il est compliqué le jeu. C'est pas qu'il est compliqué, c'est juste que t'as plein de trucs en fait. Tout ramasser. C'est-à-dire, il te faut, genre, t'as un objectif. Ok? Bon, pour atteindre cet objectif-là, il va falloir obtenir d'autres composants. Et même les composants, donc parmi les composants, tu auras de petits composants qu'il te faut pour assembler et avoir le composant complet. Tu vas tout rassembler pour avoir, franchement, pour avoir la machine. Tu vois, c'est ça le problème. Pour fabriquer ça, on va te dire, ah, il faut ça. Tu veux ça? Bah fabrique ça. C'est ça le truc. Maintenant, on va pas te dire. Après, on va pas te dire qu'est-ce qu'il faut fabriquer. Genre, certes, tu as la mission. On te dit, certes, il y a la mission. Voici ce que tu dois fabriquer. Mais maintenant, c'est à toi de savoir quelle machine tu dois fabriquer qui va te permettre de pouvoir voilà, de fabriquer ce que toi tu veux. Là, par exemple, tu vois, on me dit de construire une section de pont. Voici le truc, hein, il est là. Hein. C'est ça, là. Le truc est là. Genre, section de pont, c'est ça. Tu vois ce petit plancher là que tu vois? Ça, là. Voilà, maintenant pour obtenir ce plancher-là, je dois construire, je pense, deux ou trois machines. Parce que il utilise en fait du bois avec des dimensions 100 fois 200. Donc, et là, comment dire, cette machine que j'ai, elle ne fait que du 100 fois 100. Maintenant, pour obtenir du 100 fois 200, il va falloir, donc tu vois là, j'ai que du 100 fois 100, il faut que je débloque du 100 fois 200. Et pour cela, il faut que je fabrique une machine qui va me permettre d'avoir cette capacité-là pour débloquer ça. Donc, plus je vais faire des. En fait, là aussi, il y a la recherche. Donc, tu as la recherche qui est ici. Tu vois là, il y a des trucs que j'ai débloqués. Ok? Mais je n'ai pas la section bois lourd. Donc, tout ça, c'est bloqué.
Débarrasse-toi des défis. Donc, il faut que je finisse les défis pour pouvoir débloquer les autres et accéder à la technologie supérieure. Donc, c'est aussi un jeu de farm aussi. C'est ici, le bois lourd. Putain. Ok, là c'est bon, tu vois, on y a accès. Finally. Finally. Maintenant, il me faut. Donc pour atteindre ce bois lourd là, il faut 8, il faut 12 heures de temps. Donc 12 heures de temps, déjà là il fait nuit, je ne pourrai pas. Donc même là, je vais me coucher, je vais me réveiller, je vais utiliser les 12 heures. 12 heures, bah, ça sera le soir, donc je ne pense pas que je ne sais pas si j'aurai le temps. Est-ce que je peux te poser une question qui n'a rien à voir avec ton jeu? Vas-y. Mais franchement, c'est addictif, hein, c'est addictif. Regarde, je suis déjà au 22e, là, 23e jour. Ok, on est au niveau de la recherche. Tac, on met ça et recherche, c'est parti. Donc là, tu vois, il y a le temps qui accélère. Sachant qu'elle se couche, elle, à 21h. Voilà. Alors, tac, et on met ça. Là, il fait 13h, 14h. 15h. Voilà, c'est bon. Ok. Finally. Maintenant, il faut que je... C'est bon. Yes. Tu joues sur console, si oui, tu as un écran de combien de pouces et la définition de l'écran et le taux de rafraîchissement. Alors, la console, je n'y joue pas, enfin, je joue pas beaucoup, sauf pour tester les jeux et tout. Mais avant d'utiliser le PC, effectivement, oui, je jouais sur la console et j'ai un écran de quoi, 32 pouces. 32 pouces, 144 Hz. Alors, 144 Hz, c'est au niveau du HDMI, du DisplayPort plutôt. Mais au niveau du HDMI, j'ai du 2.0. Sachant que là, moi j'ai une Xbox Series S, donc je n'ai pas la Series X. Et du coup, je ne peux pas avoir de la 4K. Même si elle peut activer, mais c'est pas 4K natif, tu vois. Du coup, c'est 2K 120 images par seconde. Et l'écran que j'ai, donc sa résolution native, c'est la 2K aussi. Donc, même avec du HDMI 2.0, j'ai les 120 FPS. Alors, tous les écrans ne peuvent pas le faire. Il y en a, ils le font, il y en a, ils le font pas. Donc, celui-là aussi, je me suis beaucoup renseigné. Et quand j'ai vu que ça marche, j'ai vu pas mal de tests. Donc, je l'ai pris. Et effectivement, avec un HDMI 2.0, tu peux avoir 2K 120 FPS. Par contre, si tu veux la 4K 120 FPS, là, il te faut forcément un écran avec un HDMI 2.1. Vos... Ok, jour. Oh merde, 18h. Ok, now. Now, I can do this. Now, I can do this. Yes. Enfin. Et quelle heure? 18h. Qu'est-ce que c'est? Non. Je sais pas ce que je suis en train de faire là.
Non. Non, 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 non. Un petit moment. Y a un truc qui va pas là. Oui, il m'indique que... panneau de 25 mm. Ça fait ça là. Bien, j'ai pas les panneaux 25 000. Bien sûr que si, j'en ai. D'accord. Ah, ok. Non, je dois dormir là. À 350 € un QHD. Attends. Ok, bah je suis en pleine réflexion. Il y a un écran Samsung qui coûte normalement 800 € et actuellement il est à 500 €. Il fait du 4K 144 Hz en 28 pouces. J'hésite à prendre cet écran à 350 € en QHD 144 Hz 27 pouces. Pour 150 € de plus, je peux passer à celui de 4K alors qu'en temps normal. Offre au moins, il coûte quasiment le triple. Mais c'est à toi de voir. Comment dire. À toi de voir ce que tu veux faire. Tu joues sur quoi? Series X. Si tu es sur la X, vaut mieux partir sur celui qui est fait. Sur la 4K. Hein. Après. C'est vrai qu'il y a le prix. Mais vraiment, à toi de voir. Est-ce que tu. Si ça ne te dérange pas de jouer en 2K, pourquoi pas? Je peux prendre celui de la. Celui en 2K. Salut Adem, comment tu vas? Alors, we're going to make this one. Why? Why? Pourquoi je peux pas? Matériel. Ok. Ah, il me faut deux de ça. Ok. Ça va et toi? Je vais bien aussi. Merci beaucoup, Adem. Et sur ce... Hein?
Non. Oh, ok. Wait. Take this off. Wow, c'est bon. Donc maintenant on peut retourner le voir. Pour ça c'est bon, ça c'est bon, j'ai lu. Alors, à la côte, j'ai fini de fabriquer un tronçon du pont. Maintenant, je me rends vraiment compte du boulot que ça représente de le construire entièrement. En effet, mais c'est une bonne chose. J'ai discuté avec les autres et on pense tous qu'il est dans notre intérêt de terminer la construction de ce pont pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mettons-nous au travail. Qu'est-ce que tu attends à trouver de l'autre côté, Nikki? J'ai des souvenirs assez vagues d'un petit jardin dans lequel je jouais à l'époque. Maman m'observait depuis les fenêtres du pôle administratif en hauteur. J'espère que tu ne seras pas déçu. Ok. Now. Je pense que je dois le placer là, j'imagine. Et comment on va faire pour placer ce pont-là? Alors, quelle est la mission? Ah merde, j'ai oublié les pommes de terre. Ah. What? Ah, c'est bon. Du coup, il est où ce pont-là? Alors, il y a peut-être quelque chose d'intéressant de l'autre côté de l'usine, mais la seule façon de le savoir, c'est en traversant cet immense. Aussi, utilise la grue et le pont pour attends, et le pont pour le traverser, pour traverser le fossé. Ok, je pense que je dois mettre ce pont ici. Non. Non, ça c'est le plan. Je peux pas le placer là. Non, non, non. How am I going to fix this?
comment je vais faire ça? Quelque chose qui ne va pas là. Et le pont, je vais le mettre où? Ici? Dans tous les cas, on peut pas sauter. Et là, il n'y a qu'une seule... Hold on. How am I gonna do this? Dans tous les cas, on peut pas. Attends, si je le prends. Et que là-bas que je peux le mettre. À moins qu'il... je pense... C'est pas fini. Je pense que c'est pas fini, il y a encore un truc à faire. On dirait que d'autres gens, ok, il y a peut-être quelque chose à voir. Je pense qu'il y en a 4, non? Ensemble de ponts trouvés. Il m'a dit qu'il y a juste un tronçon. Attends, je vais lui demander. Ah, ok. Voilà la liste des tronçons que tu vas devoir mettre bout à bout pour fabriquer le pont. Il faut que tu libères beaucoup de place en dessous de la grue. Une fois que le pont sera en position, sers-toi de la grue pour le soulever. Ah, voilà. Voici le plan dont tu auras besoin pour construire le pont entier. J'espère que j'ai bien calculé. Merci de ton aide, Alcott. On se retrouve de l'autre côté. Eh ben, tu vas devoir... le pont. Oh. Ok. Donc on va remettre ça. Je le laisse là. Faites voir le plan. What? No way. Alors.
fuck? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de ça là. Ok, 7. Et ça, c'est au cas où je me trompe pas. Bon. Il faudra que je construise ça déjà. Sachant qu'il y en a deux, donc 14. Non, 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 non. Il va falloir construire 14 de salles. Pourquoi il n'y a pas un système d'XP? Parce que... Allez, hop. Et j'ai envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. J'espère que ça vaut tous ces efforts-là. Ils vont ajouter une team Q sans restriction de rang. Ils vont quoi? Ils vont ajouter Team Q sans restriction. C'est bon ou mauvais signe? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça sans restriction de rang? Ah, ok. Donc, genre, un top 500. Un top 500 peut. Jouer avec un newbie ou quoi. Ce qui veut dire que les gens vont jouer genre ils vont s'affronter randomly quoi. Donc tu peux avoir genre, une team top 500 contre une team de noobs, genre des gens qui viennent tout juste de commencer le jeu. Oh, wait. Non, c'est pas normal. Pourquoi il me dit que c'est possible? C'est intime. Mais... La team a une cote, donc non, techniquement. Mais eux là, ils prennent vraiment des décisions bizarres. Ah, alimentation. Non.
C'est une bonne décision, je trouve. Bah, tout dépend de comment, tout dépend de comment ils vont faire ça, hein. Comment ils vont gérer. C'est bon, le pont est fait. Bah, en tout cas, on verra. Quand est-ce qu'ils vont faire ça? C'est quand est-ce qu'ils vont mettre ça en place pour la prochaine mise à jour? Alors, nouvelle zone découverte, les squatteurs. Tu rencontreras des squatteurs dans certaines parties de l'usine. Ils accepteront de rejoindre ta communauté si tu parviens à gagner leur confiance. Essaie de découvrir ce qui leur tient à cœur. Certains personnages ne souhaiteront pas se joindre à toi, mais voudront t'acheter ou te vendre des objets. Certaines machines sont automatiques. Une fois activées, celles-ci peuvent fonctionner sans intervention humaine. Les robots peuvent t'aider à automatiser la production de plans. Il suffit de placer le plan que tu souhaites produire dans le panneau du robot, puis les matériaux nécessaires. Il n'y a plus ensuite qu'à appuyer sur construire et à observer le robot faire tout le travail. Tu n'auras plus qu'à observer le robot. Ouais, c'est bon. Les contrats sont des projets de grande ampleur qui visent à aider la communauté. Parle à Alcott pour te lancer dans un nouveau contrat. Procure-lui des ressources nécessaires et tu pourras constater le fruit de tes efforts dans le voisinage. Certains contrats ont des indicateurs. Ont des quoi? Je sais même pas. Bref, cet indicateur reflète la santé du quartier. Les contrats peuvent te procurer des récompenses. Celles-ci peuvent aussi bien comprendre des objets essentiels pour accéder à des ressources que de simples cadeaux de remerciement. Pensez, certains objets peuvent uniquement être obtenus en terminant des contrats. Ok. C'est bon, les gars. On a fait ce fucking. Mais pourquoi il y a deux ponts là? Let's go! Je vois une silhouette là-bas là. Ils sont venus me déranger. Ça a déjà commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Je l'avais prédit depuis des années. De quoi tu parles? Ta présence n'a rien d'une coïncidence et beaucoup d'autres vont nous rejoindre. Le système est corrompu. Les gens sont tous cupides et tout est sur le point de s'effondrer. J'avais raison depuis le début, mais personne ne m'a écouté. C'est quoi ces légumes et ces sacs de grains? Ce sont des graines. On ne peut pas se nourrir de pétrole après tout.
Et quand la société s'écroulera, on aura tous besoin de graines. Je pourrais t'en acheter quelques-unes. Vas-y, tant qu'elles sont à bon prix. Quand le grand effondrement aura lieu, les graines vaudront de l'or. Oula! Donc lui, il vend des, ça c'est carottes, pommes de terre, de l'ail, c'est des épices, ça. Ouais. Des graines d'oignon. 5 $, les amateurs de pop-corn seront ravis. C'est une graine de maïs, ustensiles de cuisine, du vin. Alors, on a combien là? 899 $. Mais graines, c'est combien? 3, 4, 5. Allez, je vais prendre pour. Je vais en prendre 5. 5 de chaque. Comme ça. Ustensiles quand même de cuisine. Ça coûte cher, hein. Mais bon, on peut se rattraper. Allez, hop. Les épices. Allez, un peu. Tac. 10 $. Ça, c'est quoi ça? De la viande de bœuf. 15 $? Allez. Du vin, non. Ça, tu peux le garder. Attends, avec ma pelle là, je peux pas enlever ça? Ah, on en a bavé, hein. Oula. Elle est où la pelle? Non, pickaxe, donc. Next patch update. Bah, du coup, ouais, c'est pour bientôt. Ce sera au mois d'août. Oula, il y a des gars ici. Alors, c'est vous, les autres. J'imagine que tu as rencontré d'autres membres de notre équipe, c'est ça? Pourquoi porter des masques à gaz? J'ai rencontré un de tes amis qui m'a dit que je ferais mieux de te poser la question. Oh ça, ils appartiennent aux pauvres ouvriers qui travaillaient ici auparavant. C'est notre façon à nous de montrer notre soutien à leur combat. Votre façon, comment ça? Eh ben oui, la ferme à fourmis, c'est nous. La ferme à fourmis. Tu as vu ce qui est arrivé aux gens du quartier? 107 usines, ils sont tous tombés entre les griffes des vautours du coin. Les vautours? Tu sais très bien de quoi je parle. Ne joue pas les imbéciles, jeune fille. Ce n'est pas un hasard si tu as perdu ta maison comme tous les autres et tu es loin d'être la dernière. Quelqu'un doit faire quelque chose. Ok, bon bah moi je vais aller dormir et après je verrai un autre jour. Voilou les amis, donc on a pu finalement fabriquer ce pont. Il y a encore d'autres machines qu'on doit construire. Au moins là, ça sera une nouvelle zone de découverte et pour voir qu'est-ce qu'elle nous réserve. Voilà. Bon, ça sera sûrement une très très longue vidéo. Et pour les personnes qui sont là pour le live, bah, je vais faire quand même une petite pause. Et on va changer de jeu. On va passer à Overwatch. Donc, le jeu s'appelle. Attendez, je vérifie. Commonhood. Voilà, c'est Commonhood si ça vous intéresse. Sauvegarder. Yes, sauvegarder. Retour à la maison.
Donc c'est un projet de pléthora. Il y a même du multijoueur. On peut héberger une partie et puis jouer avec des amis, hein, si possible. Voilà, franchement, un jeu sympa. N'hésitez pas, il est sur le Xbox Game Pass.